Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 29 de notre incroyable aventure sur Horizon Zero Dawn. J'ai mis du temps à vous produire cet épisode, ou du moins à vous sortir cet épisode, et j'en suis fort désolé. Mais bon, hey, on est à la fin du jeu, déstressé, ça vous a permis de regarder les 28 premiers, ou de les re-regarder si vous les avez déjà vus. Direction le centre de Méridian. Là, on est très très proche de la fin, il faut aller au Palais du Soleil, attaque imminente, je sais pas trop ce qui va se passer. D'ailleurs, est-ce que par hasard... Ok, je voulais voir si on était full et on est bien full. Donc, j'espère que vous êtes chaud. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Si cet épisode est trop long, on le coupera en deux, hein. Vous connaissez les bails, je ne vous cache rien. C'est pas que je ne veux pas vous proposer d'épisode d'une heure, c'est juste que je ne peux pas, malheureusement. Encore une fois, j'ai pas une connexion internet adéquate, voilà, pour vous proposer. Ça serait moi, je serais en fibre, les mecs, je vous proposerais, je vous ferai rêver, hein, des épisodes de 4 heures. Bah, les couilles. Parlez au Roi Soleil, Avad. Eh ben, j'y vais. J'arrive, frérot Avad. Normalement, la fibre devrait pas tarder à arriver. Donc, j'y crois. Je dis ça depuis quelques jours, mais j'y crois encore. Avad, tu es où? Tu es là. Ok, c'est parti, on va parler au Roi Soleil. Et on va écouter un petit peu ce qu'il a à nous dire. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian? Une menace. L'éclipse s'apprête à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur? Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec tout pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. D'accord. Parler à Marad l'irréprochable. C'est un mec, il a rien à se reprocher parce que de toute façon il est irréprochable. Oh putain, ça fait très bizarre la sensibilité parce que les gars, je sors d'un Rambo Six en live, hein, vous étiez là, enfin pour la plupart. Et ça fait bizarre de repasser un TPS. Ah, c'est toi l'irréprochable. Ah oui, tu me sors toi, ça se voit direct. Avad. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Marad, faut qu'on parle. Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les quatre coins de l'Hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes? Oui, assistés par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au céram qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche? Eren et l'avant-garde y sont? En effet. En train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs,
c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin Delverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer. D'accord. Alors là, on a trois objectifs, dont deux facultatifs. Se reposer avant la bataille finale. Donc ça, c'est l'objectif. Alors attendez, on va essayer de localiser un peu l'objectif principal. Passer en revue les préparatifs. Impeccable, passer en revue aussi les préparatifs. Et se reposer. Il faut surtout pas que j'aille me reposer, parce que ça va enclencher la bataille finale. Il faudrait que j'arrive. Et on va y arriver d'ailleurs. Vous savez quoi? Voyage rapide, on se retrouve tout de suite. Alors oui, on peut dire que je suis un incroyable flemmard, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi t'as pas ouvert la carte, là? Pourquoi tu m'as ouvert ça? Ok, on est parti, on va faire les objectifs facultatifs. Je sais pas vraiment ce que ça rapporte de faire ces objectifs, pardon. Donc, passer en revue les préparatifs. Peut-être que ça va nous offrir un avantage sur le champ de bataille. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Pourquoi il y a un garde qui me parle? Comme s'il était dans mon oreille. C'est quoi, les gars, le problème? C'est à ça que servent les ordres. Les gars, je l'entends à 4 km, le garde. Ok, on va voir les préparatifs. Quel cauchemar. Pardon. Ah non, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Les préparatifs sont par là. Ils sont là, exactement. Tiens, d'ailleurs, le frérot, je dois poser quelque chose. Aloy, je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Teb. Alors d'accord. C'est fini. Oh putain, d'accord, donc ça sent quand même le très 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 gros fight. Direction la flèche. Donc pour voir un petit peu leur défense. À mon avis, ça va être très long. Ça va être très long, ça va être un combat d'une bonne heure, je pense, voire une heure et demie. J'espère pouvoir vous caser ça en un seul épisode. Et évidemment, on ira faire le dernier creuset. Et c'est pas tout, en plus du dernier creuset, on ira aussi faire vite. Comment on peut appeler ça? Les World Boss, voilà, hein, les monstres plus gros que les autres qu'on a encore pas fait. Donc là, c'est parti. Direction la flèche. Alors, par où passer pour aller à la flèche sans faire des allers-retours ou autre? Alors là, ça va être terrible. Hein. Là, pour pouvoir aller là-haut... Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'étais pas sur la bonne voie. C'est plus par ici. Et ensuite, c'est par où? Normalement, il y a un chemin qui va aller directement sur la droite. Alors, j'ai ma monture, je peux l'appeler. Ok, impeccable, j'ai trouvé. Mais ça sert à rien. Hein. Quoique, attendez. On va l'appeler. Est-ce qu'elle arriverait à me rejoindre? Non, elle est restée derrière. Allez, elle est censée aller plus vite que moi. Elle a du mal, hein. Elle est censée... Voilà, elle est censée aller plus vite que moi pour que je puisse la prendre en plein vol. Et c'est parfait. Merci à toi. Ok, on est parti. Direction la flèche. C'est d'ailleurs la première fois qu'on va y aller. Et je sais pas du tout comment ça se passe, ni comment ça marche. Je sais même pas. Honnêtement, on en parle depuis 3-4 épisodes. Je sais même pas c'est quoi la flèche. C'est genre... Attendez, je vous dis peut-être n'importe quoi. Au final, je sais peut-être. Non, je ne sais pas c'est quoi la flèche. D'accord, c'est ça, mais qu'est-ce que c'est? Ok, hop, voilà, pour le spectacle. Bonjour, Aloy. Non, ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridian, t'en penses quoi? J'ai vu des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment savoir? Très bien. Je suis en terre inconnue, une terre souillée, pour défendre une ville de mécréants qui ne ressemble à nul autre, qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi, après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait. Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein. Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner.
J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil ? Non. Je serais venu rien que pour te revoir. Et parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou toi, tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. Ok. C'est fait. On a passé en un an, putain, merde. Il va falloir que je retourne en arrière, fallait parler à deux ou trois personnes différentes. Plus haut que la cime des arbres. Chef Sona. Chef Sona, tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas. Nous triompherons, je le jure, par ma lance. Ok, donc là on revoit tous les personnages qu'on a vus depuis le début. Ça sent qu'ils vont tous scanner, ça va être rapide, vite fait, bien fait. On va parler à la troisième personne là-haut. Donc là on a revu le chef, son fils et en bas Ted. Ted qui était blessé, on l'avait sorti d'un sale pas. Donc ça sent la fin, hein, clairement. À l'œil, nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait ? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils auront des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridian qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah. Oui. C'est le genre de combat qu'on aime. Hein, les gars ? Et l'avant-garde, elle est où ? En première ligne ! Et pourquoi ? L'acier, nous devons le faire ! Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils ne se relèvent plus ! Et ouais ! T'as vu ça ? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridian. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fière. Seulement si on gagne. Ok, c'est donc eux qui vont mourir en premier, hein. Bien évidemment, c'est incroyable. On a réussi, donc on se casse, on retourne à l'autre objectif facultatif, on va revoir des frérots. Ça fait plaisir de revoir tout le monde, hein. Ça rappelle pas mal de petits souvenirs et tout. En tout cas, j'espère, je vous le dis d'avance et je vous le redirai sur le générique de fin, que cette aventure vous a plu. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de cœur et j'attendais énormément ce jeu et je n'ai pas été déçu. Ah oui, d'accord, ça a absorbé les dégâts. D'accord. Ça revient là ? C'est quoi ce signe ? Attendez, j'ai envie de tenter un truc, frère. C'est quoi ? Armure ! Fais-moi rêver ! Ça s'est pas passé comme prévu. C'était pas prévu. Je vous avoue que c'était pas prévu, les gars. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, ma foi. C'est pas grave. Je vous avoue que je pensais que ça allait vraiment absorber tous les chocs, mais vous inquiétez pas, tout était fait exprès parce qu'on réapparaît au bon endroit. Passer en revue à la crête, mais c'est fait, c'est ça que je ne comprends pas. La crête, elle est là la crête, non? On a quelque chose là, attendez. Oh putain, c'est très intéressant ça. On a ça. Alors c'est toi, Aloy? Je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire? Plus imposante, plus machine de guerre que gazelle. Mais je te rassure, t'as de belles proportions. On fait du charme sur le champ de bataille chez les Océram? Quel champ de bataille? Les combats ont pas encore commencé. Petra la Forgeron, je viens des hauts blocs. J'y retourne à la prochaine tempête de sable. Marad m'a demandé de vérifier l'arsenal de la ville. Les canons sont en bon état, mais je les ai quand même nettoyés pour qu'ils tirent à fond. Je peux essayer? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. D'accord. Un canon au céram. Pas besoin de viser précisément. C'est pas comme un arc. D'accord. Bon, ça c'était pour le style. D'accord. Très bien. Eh ben on est parti, on a parlé à notre ami qui n'était pas marqué sur la carte comme objectif, très étrange.
On est parti les amis, on va discuter avec les Warimon. On va passer ici, j'ai la flemme monumentale. Bah les gars, quitte à être à la fin de l'aventure, autant faire les choses correctement et se TP à tire-larigot. Hein, ça va, on va pas marcher 200 mètres, je me prépare pour la bataille. J'ai besoin d'être concentré, s'il vous plaît, un petit peu de respect pour l'élu. Ok, c'est parti, à très bien. À quoi ça joue là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon, je me suis retrouvé. Oh putain, c'est terrible, va falloir suivre ça. Et je sais pas du tout où ça va me mener. C'est au bon endroit là? Logement d'Olin. Il fait vide. Est-ce que je dors? Ou est-ce que j'ai encore des choses à faire? Ok. On se repose avant la bataille. La bataille finale, bien évidemment. C'est parti. Décision irréversible, hein. Vous aurez compris que là on termine le jeu. On va sur la fin du jeu. Attendez. Faire d'autres préparatifs. Je suis pas prêt encore. Ok, il me reste des compétences quand même. On va se mettre ça. On va passer sur quoi? Bah je peux plus rien prendre. RT si c'est triste les gars. Et on va s'équiper une dernière fois. On va tous mettre à fond comme il faut. Non. Je vais m'en équiper. Et on va faire de l'artisanat. On va retirer. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'intéressant? Oh là là, on a des belles bobines. Hein. Oh, c'est des belles bobines. Ok, on a quoi? On a des bobines de maniement. Maniement. Ok, et on va retirer celle-ci. Maniement 39. Non. En fait, on était très bien équipés déjà. On était évidemment très très bien équipés. Bon, y a besoin de rien. On est parti pour la fin du jeu, les amis. Allez, on est parti pour la fin du jeu. Et je chargerai une autre partie. Attendez, est-ce qu'au final... Bon, allez, vous savez quoi? Je suis un bonhomme, j'en ai rien à foutre. Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth, avec cette pression sur tes épaules? Et toi, Rost, après avoir perdu ta famille? Silence? Tu es là? Pourquoi je demande conseil à un fantôme? Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le roi Soleil Abad vous attend au Temple du Soleil. Au bord de l'extinction. Serait-ce des feux de camp? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Porte-mort dont tu as parlé. Au canon! Au canon! Maintenant! Par le soleil, faites ce qu'elle vous dit! On attend vos ordres! Attention! Préparez-vous à tirer! Est-ce que les canons vont suffire? On va pas tarder à le savoir. Mmh.
Alice! Non! Rassemblez l'avant-garde et envoyez vite des renforts! Alone, non! On a besoin de ces canons! Mais tu vas te faire massacrer! Ça, je demande à voir! Allez hop, elle est morte d'une chute! Bon! Là, depuis trop longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas affronté dans la fosse alors? Ok, ça, ça dégage, je tue tout le monde, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Pourquoi? Ah! Ok. Allez, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Alors là, c'est un boss. Quoi ? Alors, de toute évidence. Accepte-la. Allez, ça dégage. Ok, là, il est chiant. Là, il est chiant. Allez! Oh putain, j'essaye de charger. Hop! Petite esquive latérale, on apprécie. Hop, double esquive latérale, on apprécie. Quoi? Il est chiant! Putain! Allez! Allez! Putain, il est presque mort ce petit bâtard. Hop, vous êtes prêts? Toi, tu n'es rien. Ok, ça n'a pas marché. Oh, j'ai cru sur un malentendu. Petite esquive, on apprécie. On apprécie, je perds 0 bilan pour l'instant. C'est un peu cheaté là ce bordel. Ok, bougez pas. On va passer sur un double flèche. C'est cadeau, c'est moi qui régale. J'ai été choisi. Ce n'était pas écrit ainsi. Oh putain. Rien de tout ça n'était écrit. Ça, c'est beau. Toujours écrit. Rien de tout ça n'était écrit. C'est toi qui l'as décidé. Tu as suivi les ordres, massacré des foules. Et pourquoi? Mourir à genoux. Manipulé comme un pion par une puissance qui te dépasse. Tu as pitié de moi. Regarde le soleil en face. Oh la vache! Attends, pas de place, pas de place. Mais si, il y a de la place! Il y a toujours de la place! Ok, artisanat, les gars. Alors là, on a beaucoup de choses. Hein. Là, on a beaucoup de choses. Clairement, ça, on jette. On a rien à foutre. Ça aussi, parce que là, on va ramasser du violet. Tire l'arigot. Personne sera prêt, les mecs. Ok. Si, il y a de la place, mon petit pote. T'inquiète pas! Bon, on a fait le ménage. J'ai bien cru qu'elle allait pas le tuer. Hein. Pendant un moment, j'étais là. J'étais en stress, je dis, déconne pas, faut pas faire des trucs comme ça. Faut tuer les gens, hein, même si c'est pas bien, évidemment. Ne refaites pas ça chez vous. Mais quand même, ok, on va se charger à fond. On a déjà tué un boss. C'est déjà pas mal, les gars. Là, forcément, il reste Hades, il reste toutes les machines, ça va être terrible. Putain, il sert à tout, hein, mon nouveau bâton, hein, c'est incroyable. Hein. On l'avait pas eu une seule fois utilisé de l'aventure, là, il fait tout. Okay. Allez, on est parti. Tiens, je vais même mettre... cette petite popo, tu vois. Anti-feu, une popo d'up, ça me paraît pas mal aussi. Ok, on va prendre ça. Ok, je crois que je l'arrache. Non. Ok.
encore un petit peu plus haut. Encore un petit peu plus haut, c'est pas mal ça. C'est bon, il est mort. Il est mort au Kamzer. Ok, il reste lui là-haut, on va essayer de se le faire. Là, on est pas mal, je pense. Yes. Ok, et lui là-haut. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, j'ai cru que c'était Hadès. Ok, je veux pas mourir. Je veux mourir, monsieur. Impeccable. Bon, on va où? Parce qu'en plus, je cours super vite avec ça. Tiens, on va le reprendre, on va le garder au cas où. Il en reste combien? Il y en a à l'infini, c'est incroyable. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok. Laisse-le-moi, couille. Laisse-le-moi, mon petit Ray. Je vais m'en occuper. Je maîtrise plutôt bien. Ok, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça, non plus. C'est pas mal, ça. On est dans le spectacle. Incroyable! Le spectacle! Ah, on fournit du très très lourd! Encore un nouveau niveau! Ah! Ok, je t'arrache un bout pourtant là à la foutre! Ok! Allez, c'est pas fini! C'est bon ça. Ah putain, salopard. Lui, il est très chiant. Il est très mort. Oh là là. Oh, c'est beau. Je serais presque ému. Dégage. Là, tu me racontes ta vie. C'est trop pas. C'est incroyable tout ce qu'on gagne. Mais regardez les XP. Allez, ça dégage. Ok, c'est bon. Ok. Il a calmé. Mais ça va repartir. Ok, c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est incroyable même. Je prends plein de plantes médicinales, j'en avais aucune. Hein. C'était terrible. C'était terrible. Défendre la crête toujours, je suis toujours au bon endroit. Alors attendez. Attendez, ça me permet de faire les compétences. Là, on a des choses intéressantes. Alors, coup critique, ça me paraît pas mal. Hein. Flige plus de dégâts. Voilà, on est pas mal, on s'équipe calmement. On remplit notre arbre de compétences, évidemment. C'est bon, les frérots, on en est où, là? Oh, putain. Oh, putain. Ok. À gauche, je vérifie au cas où. Il est très très loin, mais c'est pour moi. Oh, putain, je prends des petits damage, mais c'est rien, j'ai une armure antique, c'est incroyable. Elle valait le coup. Toi dans ta gueule. Oh là là, touche en plein vol, messieurs. Allez, ça dégage. J'ai besoin d'aide. Ça dégage. Alors on a mal. Alors on est mort. Oh putain. Je me bats dans 2 mètres carrés, c'est terrible. De la part du joueur italiano-francophone. Ok. Très nombreux et c'est très chiant. Ah putain, je les voyais pas comme ça. Ah, ils sont genre vraiment nombreux. Oh là là, je prends ma vie. Hein. Je prends ma putain de vie là, les gars. Là, je prends ma putain de vie, les mecs. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis un bonhomme ou pas?
Il est où là, le bâtard là? Il y en a un énorme pas loin. Heureusement qu'on a munitions illimitées. Toujours perdu. Oh la vache! Quoi? 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 Mais mec, là faut pas abuser gros. Les gars, j'ai pas... Il est loin mais à la fois près. Oh mais mec, c'est Gang Bang Party volume 5, Dance Floor, mes couilles au bord de l'eau. Je suis clairement pas prêt. Personne n'est prêt à cette aventure. Quoi? C'est pas vrai. Ça dure combien de temps? Là on est pas mal hein. Là on est pas mal du tout. Allez c'est terminé pour lui. Ok on est bon là. Oh le bordel. Ça va les gars. Aloy ? Aloy ? Aloy ? Teb... Par la toute mère, tu es en vie. J'ai bien cru que c'était la fin. Les autres, ils sont... Non ! Non ! Blessés, mais en vie pour la plupart. Les machines ont tout mis à sac, mais elles se sont pas arrêtées. Elles sont parties vers la flèche tout en traînant leur triste trophée. Veille sur les autres, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. Ok ! On est parti. Ah mais quoi? Attends, c'est quoi qui m'a violé comme ça, les gars, là? C'est un truc de ouf. J'apparais, j'ai pas de vie. Quand même, un peu de respect, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ok, c'est bien, frérot, relève-toi. Ah oui, alors, attendez. Ah. Ok, c'est chiant, quand même. C'est bien, quand même, là-bas. Il faut que j'accélère. Quoi? Attendez, j'ai assez de problèmes comme ça. Oh, le bordel, là. On va passer par ici. C'est bien, toi t'es gentil. C'est... Ok. Lui il est pété. Ok. Ok. Oh là là, les petites esquives comme ça qui fonctionnent bien. Hop. Oh, on a une maîtrise du jeu incroyable. Allez, dégage. Là t'es chiant. Ok. C'est parti, c'est pas terminé. Bougez pas. Une flèche, deux flèches, c'est parti, là je suis méga on fire. Là trois flèches, j'ai pas le temps pour ces conneries hein. Je suis suréquipé les gars. La première machine qui va prendre ce triple flèche, c'est cadeau, c'est moi qui régale. Ok, une petite phase à la nage, c'est normal. C'est comme les JO les gars. Il y a des épreuves un peu partout. Pas de crocodile, ça va. Ok, oh putain, par contre, quand il donne autant de coups comme ça, tu sais que ça va partir en couille très très vite. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, ça dégage. Ok. Le triple flèche, je vous l'ai dit. Allez, ça dégage. Ah bah je vous l'ai dit que ça tapait hein. Un défi. Repose-toi, chasseuse des glaces. Ok. On va récupérer un maximum de heal de base. Ça met du temps.
On va se rééquiper de 3 flèches, évidemment. 2, 3, impeccable. On reprend, on se craft. Et on est reparti. On est reparti, pour l'instant, on s'en sort très très bien. Là, il n'y a pas de trucs très rares. Ça ne vaut pas spécialement le coup. J'ai ramassé une buette, je ne sais pas c'est quoi exactement. On verra. Ok, on ramasse tout. Impeccable. Bon, c'est pas où, messieurs? C'est pas ici. 80 mètres. Ça a commencé. Hadès lance la transmission. D'accord. Donc la flèche, c'est tout simplement une antenne de transmission. Il a dû franchir les défenses. Ok. L'avant-garde des reines. Oh. Ah bah oui, ils sont fait massacrer. Ils sont clairement fait massacrer, ou en tout cas, ils sont en train de se faire massacrer. On peut peut-être arriver à temps, qui sait? Moi, j'y crois encore. Il reste quelques mètres à faire néanmoins pour avoir la réponse. En tout cas, cette armure, les gars, antique. Attention comment elle cover bien. C'est une blague, là? J'ai vraiment cru qu'elle allait foirer ça. Ok. C'est parti, les gars. Je sais pas du tout. Oh putain. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je continue. Ok. Allez. J'ai eu un petit moment de doute, je vous avouerai. Je savais que ce serait pas facile. Oh là là, elle se balade. Elle se balade. Je ne lâcherai pas. Ok, c'est clair qu'on lâchera pas. On est à la fin du jeu là. Faut pas déconner. Faut tout donner. C'est par ici. On y est bientôt. Hein. Regardez un peu l'antenne, comment elle est. Je pense que on va affronter Hadès. Ça ressemblait à une arène, notre point de combat. Oh les frérots, attendez. Ils sont vivants. C'est à l'œil. Enfin, vous avez vu. On croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. Pas le choix. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, hein? Bien sûr. Le démon de métal doit mourir. Je ferais mieux de faire des réserves. Je n'aurai plus l'occasion. Ok, ok, ok. Alors, bon, on va lâcher un petit peu d'inventaire, les gars. Parce que j'ai beaucoup trop de trucs. Hein. Genre ça, là, les gars, c'est terrible. Voilà, faut pas abuser, faut pas exagérer. Ok. On va tout prendre. On est parti? On est parti? Moi, je suis chaud, moi, hein. C'est par où qu'on se bagarre? C'est où la bagarre? C'est là-haut? On y va! Incroyable mais vrai! Battons-nous! Yo! Ah! Yo! Ah! C'est chiant! Ok. Hadès. L'intervention de l'entité a été anticipée. L'entité n'interrompra pas la transmission. Les calculs sont parfaitement exacts. La présence de l'entité a bien été prise en compte. Et d'accord. Toujours plus de plaisir, un maximum de fun. Désolé, j'ai l'impression de faire zéro damage, ça fait plaisir.
J'ai l'impression qu'il y a... Putain, c'est pas vrai. Ah bah voilà. Oh putain. Ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre ma petite popo. On va essayer de le mettre en feu. Allez. Oh là là, c'est terrible. Allez, moi je suis en plein milieu, j'en ai rien à foutre. Et on va prendre ça. On va arracher tout ça. Allez. Ah d'accord, j'ai plus de munitions, c'est fort embêtant. Ok. Ok. J'ai déjà détruit un canon dessus. Celui-ci va pas être un problème. Ok. Faut vraiment que j'arrive soit à détruire ça aussi. Quoi ? J'ai pas besoin de renfort. J'ai pas besoin de renfort, les mecs. Plus de munitions, quoi. C'est rien, c'est dans la tête. Je vais que te courir. Je me raccroche à... Au quoi ? What ? Mais mec ! Tête de ma mère. Aidez-moi! Je suis tout seul! Attends. Hop, dégage. On a éliminé okay. Les corrompus. On les tire. Putain merde! Il a plus rien. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Il lui reste peu de points faibles. Oh si, j'ai fait l'américain. C'était un plaisir. Ça c'est chiant. Allez, le canon au-dessus, c'est fait. Petite triplette. Petite triplette. Allez, le canon ici, c'est fait. Ok, reste quoi? Allez! Allez, c'est bon ça! Allez, c'est bon ça! Il ne reste plus grand chose! Oh putain! Vache! Allez, c'est bon, il est détruit! Attends, fais pas le con. Menace système imminente. Quoi? Allez, c'est bon, on passe en triple flèche toujours. Oh là là, c'est beau ça. Putain, le triple flèche est magnifique. Pourquoi j'ai pas pris plus tôt? Hop, ça dégage. Ça c'est détruit. Il est pas bien. Ok, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. On a eu très très chaud. Yo mon frère. Putain. On s'en remet calmement. On va reprendre. Quoi? C'est quoi cette connerie là? Oh putain. Ok, on a tout récupéré. C'est terrible hein, ce qui s'est passé. Hein. Il reste plus qu'Hadès. Je doute que ça soit finir. Détruire Hadès à l'aide du signal de sécurité. Ah si, c'est faisable. C'est faisable de ouf. Vous êtes prêts?
système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobeck. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Oui, vraiment désolée, Gaïa. Qu'est-ce que je disais ? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors... comme je disais... C'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une batterie de voiture et à un système photovoltaïque. Et résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Il devait avoir dans les... 100 ans, au moins. Question. Quel âge aviez-vous ? 6 ans. Ma mère était à la maison, heureusement. Elle a tout de suite appelé les pompiers. Et après, elle m'a emmenée dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts, parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand pin. Question. Qu'avez-vous ressenti ? Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit... Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur ? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit ? Eh bien, j'aurais sûrement aimé qu'elle soit... curieuse. Et déterminée, fonceuse même. Mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu. Bref, ça ira pour aujourd'hui, Gaïa. Je vais me coucher.
Je vous souhaite une bonne nuit, Elisabeth. Merci. Nous reprendrons demain. Et c'est la fin de ce jeu littéralement incroyable. J'aurais vraiment préféré que ça reste... Enfin, que la cinématique de fin dure plus longtemps. Réellement, c'est fou ce que Guerrilla a produit. Que ce soit en termes de scénario, qu'en direction artistique. Tout ce qu'on a vu là, j'aimerais tellement le voir dans une trilogie, une saga de films. Il y a de quoi faire. C'est magnifique. Honnêtement, Sony, vous avez une perle entre les mains. J'aimerais beaucoup de choses. J'aimerais des films, j'aimerais une suite à jeu. J'ai vibré. Les gars, franchement, je vous le dis très honnêtement, cette aventure exotique m'a littéralement fait vibrer. C'était incroyable. Je regrette pas du tout de l'avoir fait, et encore moins en votre présence. Et pour être tout à fait honnête avec vous, si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas fait ce jeu-là. Ou du moins, j'y aurais joué, mais pas au complet, peut-être pas fini. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin pour certains, que la fin pour d'autres, que le début encore pour d'autres. Je vous remercie pour tous les j'aime que vous avez posés à chaque épisode. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous avez mis sur chacune des vidéos. Je vous remercie d'être là du début jusqu'à la fin encore une fois. Si je dois dire ce que j'ai pensé du jeu, très honnêtement, en un seul mot, c'est puissance. Ce jeu était puissant. Il m'a fait vibrer, clairement. J'étais captivé par l'histoire à un point, vous n'imaginiez même pas. Du début jusqu'à la fin, ils ont gardé des révélations, des mystères. Et c'est ce que je disais il y a de cela 3 ou 4 épisodes. C'est ce qui fait d'un jeu une incroyable aventure. Et là, honnêtement, les gars, merci à vous. Merci, Guerrilla, de nous avoir fourni un jeu pareil. Ça fait longtemps, longtemps que j'avais pas vibré autant pour un jeu d'aventure, très honnêtement. Le dernier c'était Uncharted 4 et c'est vrai qu'avant ça il n'y en a pas eu des masses. Donc un grand merci, on va passer ces crédits. Je me dis qu'il y a peut-être autre chose, on sait jamais sur un malentendu. C'est parti, on passe. Bonjour, mon vieil ami. Tu te souviens de moi ? On a encore tellement de choses à se dire, toi et moi. Je veux tout savoir. Qui sont tes maîtres, pour commencer ? Ceux qui ont envoyé le signal qui t'a réveillé. Le savoir demande récompense, tu ne crois pas ? Allez, commençons. Là. Donc, Silence a tellement soif de savoir qu'il va refaire la pire bêtise de sa vie, à savoir re-ressusciter Hadès. Et s'il a ses réponses, il risque de mettre donc Hadès dans cette grosse épave que vous avez vue, cette machine infernale. Wait and see, on aura la suite, je pense, dans Horizon 2. Encore, merci à tous infiniment. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. C'est la fin de cette aventure, mais pas la fin de nos vidéos sur ce jeu. On va faire un ou deux World Boss et on va faire le dernier creuset. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.